derniers mois, personne n'a pu échapper au phénomène pop en jupon qui a pulvérisé la concurrence. Je pense pas avoir cherché à faire un concours de popularité avec qui que ce soit. Évidemment, puisque la partie était déjà gagnée d'avance avec son tube I Kissed a Girl, issu de l'album One of the Boys, qui a révélé Cassie comme un modèle du genre. Je suis pas assez hype pour être une vraie superstar. Je le sais, je le comprends. Et en même temps, je ne crains pas assez pour être juste une pop girl. Mais bien sûr, qui mieux que cette Californienne, fan de Freddie Mercury, dont elle revendique l'influence majeure, pourrait incarner la girl next door, en français la fille d'à côté. Mais non, pas celle du sitcom à Deval, celle qui pourrait être la bonne copine, belle comme un camion, qu'on envie autant qu'on admire, et qui séduit même les plus sceptiques. Vous devriez voir les messages que j'ai sur MySpace. Parfois, il y a un rappeur qui m'écrit « Ta musique, c'est pas trop mon truc, mais je te trouve plutôt cool. » Ou bien un métalleux qui me dit « Tu es vraiment l'un de mes plaisirs coupables. » En plus, elle sait reconnaître les filles qui sont au moins aussi cool qu'elle. J'adore Yael. Tous mes potes qui sont DJ la passent en soirée. J'adore sa sensibilité pop. Je pense qu'on a le même feeling, elle et moi. C'est pas comme Justice. Mais sans oublier de bitcher comme une vraie copine. Avec son franc-parler, Cathy se tamponne du qu'en dira-t-on et pense même être un exemple de courage depuis qu'elle chante le French Kiss entre voisines. Je pense que ça a interpellé pas mal de gens. Ils se sont peut-être dit « Waouh, je pense la même chose !» Ou bien « J'ai jamais eu les couilles de dire ça !» Ouais, enfin c'est quand même pas le Che. D'ailleurs, pas une galoche à l'horizon dans son clip. C'est quoi cette arnaque? Tout est suggéré. C'est pas fait pour que les mecs puissent se branler dessus. Eh ben comme ça c'est clair. Mais que les garçons se rassurent, Cathy les aime aussi. Et plutôt deux fois qu'une. J'aime les Français et les garçons français. Parce qu'ils sont couillus. Oups. Confiant. Sniff, le JT c'est déjà fini. Mais pas de panique, on se retrouve demain avec une lady dont on est complètement gaga. À tout.